Bonsoir, je vais vous montrer comment vous purifier le soir. Donc peut-être ce direct va prendre un peu de temps, peut-être. Cette vidéo m'a été inspirée comment? Beaucoup d'entre vous, vous avez de la peine. Le soir, parfois, quand vous vous couchez, vous paraissez fatigué. Bonsoir, la reine Vondor. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, bonsoir. Bon, ce que je vais partager avec vous ce soir, bonsoir, 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 je vois les messages. Bonsoir, Vondor. Bouquet, bonsoir. Bourhomme, Idriss, bonsoir. Merci pour vos commentaires. Je parle de purification parce que la purification est importante. Surtout dans chez les personnes qui font ce que je fais. Okay? Je ne dis pas forcément que vous faites dans ce que je fais, mais la purification est importante. Donc, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube. Beaucoup de personnes ne savent pas que la nuit est importante parce que pendant la nuit, nos ancêtres peuvent nous parler. Écoutez, la nuit est clé pour vous parce que c'est le moment où votre esprit se repose. C'est le moment où vous vous connectez. C'est le moment où vous voyagez, où vous repartez. Et c'est un moment délicat. Donc, vous devez apprendre à vous prédisposer. On ne rentre pas seulement de chez B, on tombe sur les talons. On laisse le t-shirt sur soi, on dort. Tu dois calibrer ce que tu veux faire. Avant de te coucher, tu dois mesurer. Donc, il y a des outils qui sont essentiels. Donc, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Avant, je prenais trop mes nuits à la légère. Et c'est pour ça que votre indépendance financière est importante. C'est pour ça que arrêter de travailler pour quelqu'un, c'est important. Bonsoir, Doris. Parce que si tu arrêtes toutes ces choses-là, si tu vas te coucher avec l'intention de recevoir un message, tu ne seras pas entré dans le sommeil, tu ne vas pas te dire, il faut que mon réveil sonne. Et il est quelle heure? 3 heures. Oh, il est quelle heure? 4h59. Ce sera différent. Donc, tu dois aller te coucher avec l'intention, d'entendre un message des ancêtres. Bonsoir, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube. Merci de me rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Normalement, on a les gens qui nous parlent. Même si vous ne sortez pas de votre maison, il y a ça. Ça. Le téléphone, les énergies. Je vois là sur le téléphone. Il a acheté une nouvelle maison. Pourquoi lui et pas moi? Marianne.
Donc vous voyez que le téléphone, parfois, ça vous donne des... Il y a les notifications. Je viens de couper les notifications ici. Tu as les appels. Les gens t'appellent. Les gens t'appellent. Tu reçois. Oui, pourquoi tu as fait comme ça? Tu te fâches, tu commences à bavarder. Hein? Oh, hein? Et je peux pas avoir un contact physique que vous faites avec les gens. Warren, mon dimanche était très, très super, merci. Donc, vous avez un flux d'énergie. Là, par exemple, je suis chez moi, mais je lis vos messages. Je suis en train d'interagir avec vous. Donc, c'est votre énergie qui vient chez moi. Même si mon énergie vient chez vous, on ne peut pas ouvrir une porte pour donner son énergie sans recevoir de l'autre personne. Vous avez tout ça dans votre journée. Et très peu de temps, vous savez que vous avez des pages où vous allez regarder, on va vous encourager, comme je le fais. Ça va toujours te dire, ah, regarde comment la fille s'est mariée, le scandale. Tu regardes la pauvreté, les films nigériens, oui, il y a la pauvreté là. Elle pleure. Why are you leaving me like this? Tu regardes la pauvreté, ça te prend. Ça te prend. Ça te prend. Te voilà. Tu ne sais pas que tu es en train de te faire les films. Tout ce que tu regardes dans la journée là, la nuit, tu vas confirmer ça dans ton rêve. Tu vas lire l'heure. Tu te retrouves dans la nuit. Ah, j'ai rêvé qu'on me poursuivait. Ah, il y avait des ninjas qui me poursuivaient. Ah, je suis arrivé quelque part, on m'a dit, oui, on a... C'est les films que tu as regardés. On vous connaît, vous passez le temps sur les films nigérians, là, ils pleurent. Tu commences à dire que oui, c'est comme ça que les hommes sont. Quand tu rencontres un homme, il ne reste pas avec toi. Appris pas. Appris te déçoit. Après, dans ton cœur, parce que tu avais vu ça dans le film nigérian. Vous évitez certains films. Ouais. Parfois, tu vois le film de sorcellerie. Comment un sorcier a apparu dans sa chambre la nuit. Après, il a fait la foudre sur elle. Elle est morte après. Gars. Quand ton esprit va vouloir réfléchir pour avoir de l'argent, tu ne pourras pas. Philo Van, bonjour. Parce que tu as déjà rempli ta tête de films nigérians. Ton ancêtre vient la nuit, il veut te parler. Ou bien Dieu veut te donner une solution. Quelle est la raison de 300 millions de francs CFA d'ici décembre 2022? Dieu vient avec l'idée, il ne trouve pas l'espace où il va déposer l'idée dans ton rêve. Parce qu'il y a plein de choses dans ta tête. Et dans la journée, parfois, tu as les gens avec qui tu as passé le temps. La personne du matin au soir, la personne qui t'a parlé de ton mari, la déteste. Oh, m'a fait ceci. Tu imagines comment l'homme m'a fait ça. Maman, les hommes, ne te marie pas toi un jour. Tu dis oui, c'est vrai. Alors que dans tes déclarations, tu as demandé l'homme. Tu as demandé le mariage. Dès que tu finis le téléphone comme ça, là, pian, tu te couches, tu dors. Tu regardes, tu ris, tu pleures, tu as peur. Dès que tu finis, pian, parfois tu dors avec le téléphone sur cela. Tu vas continuer le film là dans ton rêve. On ne se couche pas comme ça. Tu ne tombes pas sur le lit. Ça doit être intentionnel. Oui, Borom, intentionnel que je... Ah. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je parle déjà du fait que vous connaissez les sels, vous connaissez les encens, vous connaissez les cristaux. C'est vrai que je vous ai montré ça. Ça, c'est une sorte de pot pourri. C'est trop bon.
On a tout dedans. On a les cristaux, on a les encens, on a les feuilles. Tout ça sont les feuilles qui sont spirituelles. Voilà les cristaux. Ça, c'est du jaune. C'est du gros sel de l'Himalaya. Ah, là, c'est du vrai sel, ça. Ah, c'est l'œil de tigre. On a l'œil de tigre aussi. Mettre à la maison. Bon, tout ça, c'est pour attirer la prospérité. Donc, je vais donner les astuces, ok? Je vais mélanger tout. Bon, Philovan me demande à quoi servent les cristaux. Là, vous voyez, j'en ai un sur le cou. Les cristaux sont des cailloux comme le diamant qui ont été fabriqués dans les profondeurs de la terre. Ça a beaucoup d'énergie. Et ça appelle la prospérité. Certains vous enlèvent les mauvaises énergies. Ça, par exemple, c'est l'œil de tigre. Ça, c'est l'œil de tigre non poli. Voici l'œil de tigre poli. Vous voyez comment ceci brille, non? Ceci ne brille pas, non? Ça brille, ça ne brille pas. L'œil de tigre poli, non poli. J'ai les feuilles d'hysope, oui. Franklin, j'ai les feuilles d'hysope. Oui. Donc, quand vous faites vos commandes, vous demandez. L'œil de tigre, c'est plus pour le courage. Donc, ne mettez pas ça quand vous voulez dormir. Tu mets l'œil de tigre sur toi avant de dormir, tu ne vas pas dormir. Tu vas faire les rêves où tu es en train de courir dans le rêve. On me poursuivait la nuit. Tu as mis ça sur toi pour dormir. OK? Bon, je vais faire un direct un jour pour tous les cristaux, OK? Donc, j'ai des nouveautés qui sont arrivées. Je n'ai pas encore présenté. Parce que le showroom n'est pas encore ouvert. Donc, je ne voulais pas vous présenter tout ça là maintenant. Parce que je dois rentrer dans mon sujet. Je dois rester dans mon sujet. Voilà. Donc, on a les pierres avec cette forme-ci. On a mis de... C'est une sorte de plaquet. On a mis le plaquet autour. Donc, ça, c'est du vert. C'est vert. OK. Donc, ceci, vous mettez sur un pendentif. Vous mettez ça sur le cou. Vous mettez sur les... On a des bracelets aussi. Bon, j'ai pas la doigt ici qui ont pris ça. Varenne, je suis une ancienne fumeuse. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'enlève le petit glissant. Voilà. OK. Toi, tu as l'œil, Varenne. OK. Le soir, tu dois avoir tes choses. Tu dois avoir tes outils. Likez ma vidéo, s'il vous plaît. D'abord. Le but du lavage du soir, lavez-vous les soirs et les matins. Le but, c'est d'enlever les mauvaises énergies de la journée pour que tu puisses recevoir les messages qu'il y a pour toi la nuit. Beaucoup de vos ancêtres n'arrivent pas à vous parler parce que vous avez des bébés qui ont des mauvais esprits. Quand tu dors avec bébé, là, tu dors très mal. Il y a même l'énergie de bébé aussi que tu dois nettoyer. Oui. Donc le soir, dès que tu rentres vers 18h à 19h, tu allumes l'encens. Ça peut pas aller à l'atmosphère dans la maison. Tu allumes ça au salon. Hein. Ça quitte du salon, là, ça va dans la chambre. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas parti déposer au salon, à la chambre. Doris Diane, tu m'invites à Montréal. Donc tu mets ça dans le salon, ça va se balader dans toute la chambre, dans tout le partout. Même tes voisins vont sentir ça. Même tes voisins vont sentir. Même les voisins vont sentir l'ensemble. Ça va être touché. Parce que dans le spirituel, quand il reste ici, il brûle ma chose. Si quelqu'un me devait ou quelqu'un avait pris ma chose, quelqu'un m'a bloqué même à partir de l'Indonésie. Moi, quand je suis fait cela, c'est arrivé là-bas. Dès qu'on a un principe de la fée qui est activé là, ce n'est plus. Genre, comme j'ai brûlé, c'est ça, moi, là, non. Ah non, ça traverse le spirituel. Ça va loin. Voilà. Denise, c'est ça. Les faux profils, là, je vous salue. Bonsoir, mes faux profils. Là. Vos deux sceptiques, vos tantes et vos oncles qui vous calculent, ils ne peuvent plus vous voir. Ils ne peuvent plus vous trouver. Ils vont venir voir les noms bizarres, là. Bouquet, par exemple, que... Sortez-moi les noms, non, j'ai besoin de vos noms, là. Que la fleur de Paris, voilà. Ce sont donc la fleur de Paris. TK Roseway, voilà, les faux noms comme ça là, c'est ça que je veux. L'écurie des beaux, voilà, je vous vois. Ganga Ban, voilà, TK Roseway, on vous voit.
Je vais très bien. Bonjour les faux profils. Continuons maintenant notre enseignement. L'encens permet, je peux dire, c'est l'étape 1 pour purifier l'atmosphère et ne simplifier rien dans le spirituel. Si tu n'as pas l'encens, tu peux chercher les feuilles de laurier. Regardez sur ma page YouTube. Bon, YouTube, vous êtes déjà sur YouTube, c'est bien. J'ai demandé aux gens de Facebook de s'abonner fatigués. Abonnez-vous sur ma page YouTube, c'est quoi avez-vous le problème? Voilà Facebook là-bas. YouTube et ici sont déjà abonnés. On n'est pas encore abonné, pourquoi? Donc, l'encens, c'est le premier niveau. Tu prends, si tu n'as pas, tu prends le laurier simple là. Tu brûles. Il y a la sauge. La sauge. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes que quand vous achetez les produits chez moi, j'ai des enfants particuliers que parfois je donne aussi. Oui, il y a Doris qui dit qu'il y a les mariticones. Ouais, un mariticone, c'est quoi? Vocabulaire de Jocelyne. Un mariticone, c'est un mari qui ne veut pas que tu utilises ta spiritualité. Ouais, pardon. Dès que tu viens avec les enfants comme ça, là, il rentre au truc. T'as appelé depuis 9h. Il y a 21h. Il fait. Ma maison sent quelque chose. Oui, ça, c'est les mariticones. Le clou de girofle aussi. Quand tu brûles le clou de girofle, brûle quand avec le rond là. Ne prenez pas ce qui est vide, tu brûles avec le rond. Et quand tu brûles le clou de girofle, truc ici là, brûle avec les intentions. Donc, si tu prends peut-être le laurier, tu mets le clou de girofle, tu déclares, purifie mon atmosphère, tu mets la sauge. Je purifie mon annoncé, j'enlève tout mon mauvais esprit de cette maison. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas si tu as les yeux ouverts, c'est pareil, ça va toujours marcher. Mais ton intention doit être lancée. Donc tu déposes ça. Pendant que ça brûle maintenant, tu ne peux pas ton bain. Dans vos bains, vous devez avoir. Une fois que tu fais les sels et que tu as passé l'étape des sels, au sel maintenant, tu ajoutes le bain. Tu peux avoir ton parfum devant tout. Elle aussi, oui. Ça veut dire que vous êtes vraiment abonné sur YouTube. J'en ai parlé sur YouTube récemment. Même le romarin. Tu prends, bonsoir Ruffine. Tu prends quelques gouttes de terre. Une goutte, trois gouttes, cinq gouttes, sept gouttes. Fonctionnant avec les chiffres impairs. Donc, tu mets ton sel d'abord. Une pincée de chaque sel. Si tu as le sel arc-en-ciel, tu prends une grosse pincée de sel arc-en-ciel. Tu verses. Le sel arc-en-ciel a tout. Donc, ça a toutes les couleurs de sel-là. Au moins 4 ou 5 couleurs. Tu prends ça en un bloc. Tu verses dans l'eau. En versant, tu parles. Je me purifie par cette eau. J'enlève tout mauvais esprit qui s'est collé sur moi. Ah, toi, ok. Tu as pu avoir ta nationalité. Comment tu vas, l'amour Dieu? Je me rappelle de toi, je ne vais pas te dire ton nom. Je ne vais pas te dire ton nom. Je sais que tu as un faux profil, l'amour Dieu. Bonsoir, l'amour Dieu. Tu as bien posé la nationalité là. Oui, le sacrifice peut se faire dans un autre pays. Si on peut même faire à Baham, les dieux de Baham connaissent même les gens de Ouagadougou. Tu peux être au Burkinabé. Tu envoies en fait ton sacrifice ici à Toba. Tu as compris? Bon, c'est une ville de. C'est dans mon village. Les Ivoiriens qui font le sacrifice ici au Cameroun. Hein. Ok? Voilà. Donc, tu brûles ton encens. Bon, je ne vais pas parler des mariticones aujourd'hui. Donc, si tu as un mariticone, vraiment. Tu brûles ton encens. Tu prends. C'est bien ça, Warren. Commence à utiliser les produits spirituels. Tu prends ton eau, tu mets le sel dedans. Si tu n'as pas pris le sel blanc de la cuisine, tu mets dans l'eau. Fais l'effort d'avoir un parfum sur toi. Tu prends une ou trois ou cinq gouttes. Tu prends, tu mets dans l'eau. En même temps, tu parles, tu dis par ce lavage, je me purifie. Je me libère. Tu peux prendre aussi une goutte de cannelle, une goutte de romarin, l'huile de cannelle.
Si tu n'as pas l'huile de cannelle, prends la poudre de cannelle, tu mets dans ton eau. OK? Poudre de cannelle. Laurier aussi. Tu peux faire bouillir de l'eau avec du laurier et du romarin. Si c'est que tu n'as pas les huiles, les huiles ou encore les parfums dont je parle. Tu fais bouillir ça avec du sucre et du sel. Tu retires, tu mets ton eau. Et je viens vous préciser que, oui, that's rosemary, yeah. Le romarin, c'est rosemary. Je viens vous préciser que quand vous faites votre lavage spirituel, ne mettez pas, vous n'avez pas besoin, le spirituel n'a pas besoin de beaucoup. OK? Le romarin n'a pas besoin de beaucoup. Quand tu prends une, deux gouttes là, tu mets. Le spirituel n'est pas comme le physique. Hein? Parce que dans le physique, généralement, tu vas dire, non, il te faut, pourquoi vous croyez, vous voyez que quelqu'un vous aime, il faut qu'il vous donne, il vous donne 50 litres d'huile. Dans le spirituel, prends seulement un peu, trois gouttes, tu verses. Les trois gouttes là, comme ça touche ton eau, tu prends l'eau là, tu verses sur toi. Tout ton corps est purifié. Jésus lui-même a dit que quand je lave ton pied, ça veut dire que tout ton corps est lavé. L'animal, c'est plus le bouc. Ce que je supervise, les sacrifices que je supervise, c'est plus le. Il y a le niveau du coq. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, vous pleurez l'argent pour rien. Oui. Donc, quand tu viens faire ton, quand tu fais ton lavage, c'est l'intention qui compte. C'est les petites quantités que tu mets. Et surtout la prière que tu dis sur l'eau là. Tu prends ton encens que tu as allumé. Tu fais la fumée comme ça. Tu peux faire ça 7 fois. Je me purifie. Il y a les encens Saint-Michel aussi qui sont très bons. Bonsoir Margarita. Je me purifie. Toute entité négative, tout contrôle à distance. Tout miroir spirituel. Je viens briser maintenant au nom de Jésus. Par ce lavage, je restaure maintenant mon aura. Je me sanctifie, je me purifie. Je demande pardon pour tous mes péchés selon 1 Jean 1, verset 9. Écrivez 1 Jean 1, verset 9. Tu as dit que si on demande pardon, tu vas nous pardonner immédiatement. Donc je demande pardon pour tous mes péchés. S'il y a des moments dans la journée où je ne t'ai pas écouté, Saint-Esprit, je demande pardon. Je demande pardon. Tu prends maintenant ton psaume 91. Tu as ton eau devant toi. Composez-le avec ce que vous avez. Ne dis pas, oh, je n'ai pas composé parce que tu peux même souvent prendre les cristaux. Tu prends les cristaux. Tu lances dans le fond de ton eau. Les cristaux de la puissance. Et une fois que vous achetez votre cristal, ne laissez pas n'importe qui toucher votre cristal. La personne peut gâter l'énergie sur votre cristal. Le jour où je vais enseigner sur les cristaux, vous allez bien entendre ça. Donc, supposons, voilà deux cristaux que j'ai. Voilà deux. Un, il est à moitié vert. Et l'autre, c'est l'œil de tigre. Je peux prendre ça. Quand je vends généralement les cristaux, je les charge avant de vous envoyer. Bon, je ne connais pas les vertus de l'eucalyptus. Va un peu lire les vertus de l'eucalyptus avant d'utiliser. Tu as compris? Mais je sais que l'eucalyptus soigne certaines choses dans le corps. J'ai un thé à l'eucalyptus que je bois. Donc, tu prends les cristaux, tu les charges. Je vous charge d'amour. Vous les mesdames, me purifier, à me restaurer. Ou lancer dans l'eau. Tu peux aussi prendre un cori. Tu lances dans l'eau. Ou encore. Il y a le grand modèle et le petit modèle. Oh, le jujube. Certaines personnes qui n'ont rien. Oui, on recharge aussi les cristaux, oui. À la lune, certains chargent au soleil, certains déposent juste. Tu peux arriver dans un endroit spirituel, vraiment, tu déposes là-bas. Certains même dans l'eau bénie. Donc, tu peux faire le jujube. Tu prends peut-être 3 grains de jujube, tu mâches, tu lances dans l'eau. Faites ce que l'esprit va aussi vous guider à faire. OK? Mais vrai, c'est même plus que moi. Mais le peu que je connais, je partage d'abord avec les gens. Ping. Le peu que je connais,
Parce que c'est que les gens là-dehors, que 90% de la population ne connaît même pas. Donc, si vous connaissez, estimez-vous heureux. Maintenant, si vous venez critiquer, oh, ouais, ne connaît même pas, oh, moi, il connaît. Si tu connais, pas, tu enseignes. Parce que les ancêtres ont besoin que dans notre génération, les gens connaissent ce que nous sommes en train, je suis en train de dire là. Anatole va bien. Anatole a maintenant deux concurrents. Il y a Simplice. Simplice qui est très simple. L'autre là s'appelle encore comment? J'oublie le nom du deuxième. Merci de partager ma vidéo. Tu fais, tu vas aller voir ton chef. Tu veux la promotion. Tu demandes. Le coré en plastique, ce n'est pas le vrai coré, ma chérie. Sandrine Winsley charge ses cristaux à la pleine lune. Balthazar n'est bien plus ici. Balthazar a compris là. Non, il a compris. Balthazar ne peut plus passer ici. Donc, c'est vraiment l'intention. Écoutez-moi bien. C'est l'intention qui va compter. Et certains parmi vous, c'est maintenant que vous m'écoutez que vous commencez à vous reconnecter avec vos ancêtres. Non, si des graines de nom ne piquent pas, c'est que ce n'est pas le nom. Donc, tu fais ta prière, le psaume 91, le psaume 35. Et là, tu prends, tu te laves. Si tu as le parfum, débloque-moi, tu mets quelques gouttes dans l'eau. Si tu as le parfum homme riche, tu mets quelques gouttes dans l'eau. Écoutez, composez vos lavages avec ce que vous avez. Tu as l'huile d'attirance, tu mets quelques gouttes dans l'eau. Je te lave, je me purifie, je restaure mon attraction. Je parle sur mon corps. Je déclare que je suis connecté aux ancêtres. Je déclare qu'aujourd'hui, comme je vais me coucher pour dormir, vous allez me parler. Après ça, tu prends le sel, laisse le sel dans ta chambre au sol. Donc, si tu viens d'aménager, peut-être, va prendre le sel, tu verses. Tu encercles ta concession avec le sel. Tu parles. Que c'est à n'importe quel esprit que les anciens locataires ont laissé ici. Je peux autorité sur cet esprit. Je te commande de sortir de cette maison au nom de Jésus. Tu parles, tu parles, tu parles, tu verses. Tu prends l'eau. En dormant aussi, il faut toujours avoir l'eau à côté de vous. Soit tu prends l'eau, tu verses, soit tu prends l'eau, tu gardes dans le verre là. Dépose à côté de toi. Maintenant, tu demandes ce que tu veux. Voilà, j'ai mes papiers depuis là. Je veux traverser depuis. Ouvrez-moi la voie, non? C'est les choses que vous me montez depuis que je n'ai pas, qu'on ne comprend pas. Montez-moi à nouveau. Si peut-être ta grand-mère, ma grand-mère, assiste-moi. Montre-moi. Tu fais un temps ça, tu te couches, tu dors. C'est bien savoir. Hein? Si en dormant, tu sens qu'il y a une petite faille, quelqu'un s'est levé un peu là. Tu te lèves, tu prends encore le sel, tu failles. Bon, c'est la première signe de croix comme ça, peut-être devant ta porte. Écoutez, soyez sensible à l'esprit. C'est ce que je veux que vous ayez au-dessus de tout ça. Soyez sensible à l'esprit. Tu fais comme ça, l'esprit te montre, il te parle. Que tu sais quoi, prends le sel, tu fais comme ça là. Tu crois qu'en Europe, il n'y a pas un musée, même le sel dans la chambre. Hein. Oh, tu es simplement bien. C'est important, c'est quelqu'un qui croit que, comme il arrive en Bing, que les esprits ne parlent, n'arrivent pas en Bing. Tu peux faire ton bain, après tu fais les rapports. Ça, c'est quelqu'un sur YouTube qui a demandé. Maintenant, si tu fais tes rapports avant de dormir, fais rapidement un tour en douche encore, tu te laves. Parce que quand tu as fait le rapport, tu as pris les énergies de tonton ou de tata. Certains de vos tontons et de vos tata ne sont pas le bon comme il faut. C'est vous qui c'est souvent. Donc, comme tu viens d'élever encore ton énergie, tu viens de. Tu ne veux pas encore faire un autre don. Alors, monsieur, je vais te laver, tu ne veux pas encore.
Et quand vous lavez, mais versez beaucoup sur vos bras. Beaucoup de contrôle seront sur les bras, là, les bras. Tu verses, tu parles. Je me libère de toute énergie ralentissante. Tiena, tu dis que tu ressens l'envie de jeûner. Tu ne jeûnes pas pourquoi? Tu viens me dire maintenant pourquoi? Tu viens me dire après pourquoi? Pas jeûner. Donc quand tu fais l'amour là, là tu viens de prendre les esprits de tonton, de tata. Repars encore en douche là rapidement. Tu as le sang de Jésus là. Tu prends ça. Tu mets dans l'eau encore, tu parles. Je me sanctifie, je me libère. Je me déconnecte. Tu parles. Ouvrez votre bouche. Après, tu vas te coucher, tu dors. N'oublie pas, tu lis tes psaumes. 91, 35. C'est normal d'être très fatigué après le bain de sel. Oui. Parce que le bain de sel adresse tous les petits muscles, les articulations là. Parfois, il y a les esprits qui vous empêchent de dormir. Tu fais des nuits blanches et quand tu te laves, tu dors jusqu'à quoi ça. Mince. Maintenant, quand tu finis de te laver, puis tu peux te laver. Mais je vous ai déjà conseillé, mettez quand même un petit tout dans votre huile. Beaucoup de girofle en poudre, tu mets dans l'huile. Quand tu mets à ça, ou bien tu mets une pincée de café, tu mets aussi de la cannelle, ton huile n'est plus normale. Et tu pries sur ton huile. Bon, bien sûr, j'ai les écorces. Quand vous achetez les produits, il y a les écorces que je vous donne, vous mettez les écorces contre la sorcellerie. Claire Tadonken. Écrivez-moi sur WhatsApp encore et encore. Ok. Je lève chaque matin, tu m'écris. Tu pries pour moi, tu m'écris. Tu dis, Seigneur, qu'elle me réponde aujourd'hui, tu écris encore. Quand tu mets le sel entre ton matelas et le soumier, il faut changer ça toutes les 2 semaines. Tu as compris, non? Plain, Mojoko, avec les faux piles là. The powder in the soap, la poudre qui est dans le savon, tu mets ça dans l'eau quand tu te laves. Celle, mettez une, trois ou cinq pincées. On se avec les chiffres impairs. Voilà. Donc vous laissez tout l'ensemble de brûler, vous faites tout ce toutes purifications. Et puis. Je pense que c'est tout. J'ai quand même un peu expliqué. Facebook, vous connaissez venir avec les questions. Oui. Bon, je vous ai montré ce que vous devez faire avant de dormir. Une partie. Hein. Le bain de sel de purification, ne le faites pas quand vous avez vos menstrues. Laissez les menstrues passer d'abord. Bon. Oui, on peut faire son bain, on a envie de faire pipi. C'est normal, c'est de l'eau. Quand l'eau coule, on a envie de pisser. Claire Tadonken, je viens d'ouvrir les services express. En Tunisie, si vous avez quelqu'un au Cameroun, la personne vient prendre vos produits, vous envoie. Donc, j'ai les consultations express. Consultation normale, c'est 50 euros. Si vous voulez la consultation express, vous voyez avec les représentantes. Vous payez le double du prix. Vous voulez absolument me parler là. Il n'arrive plus à gérer les gens. C'est trop de consultations. Je reste comme ça parfois. J'appelle quelques-uns après, pas fait le lavage. Et aussi physiquement, ici, je consulte.
Donc, c'est que vous voulez absolument me voir. Si vous avez l'argent, vous ne voulez pas attendre, vous payez, vous me voyez. Bon. Vous connaissez écrit sur Facebook. Non, Francine Nassin, si tu as la bouteille, prends la bouteille Tanguy. Soyez sage, ne soyez pas simpleton. Ok? Tu prends la bouteille, non? J'ai aussi une bouteille ici, là. Tu composes ton lavage dans la bouteille. Sans que vous m'avez donné le boulet mandat à ma boutique, j'ai tué plein de cafards. Lui, ils sortent, non? Ils vont sortir. Je vends les t-shirts. Je vends les t-shirts. Je vais vous montrer même les nouveaux t-shirts que j'ai. Oh, j'ai les nouveaux t-shirts. Ils sont brodés à la main. Jocelyn! Non, il doit être parti. C'est où je vais prendre les t-shirts pour vous montrer. Pas dans le bureau, si c'est dans l'autre de l'autre côté. Vicky, tu ne m'as pas contacté. J'ai demandé que si tu veux que tu peux me représenter, tu dois me contacter. Bon. Tu mets l'eau dans ta. Tu mets l'eau dans ta. Tu prends les sels. 3 pincées, 5 pincées, tu mets dans la bouteille. Tu prends le parfum, tu mets dans la bouteille. Tu prends poudre, tout ça là, tu mets dans la bouteille. Tu secoues. Tu ouvres la bouteille, tu parles à la bouteille là. Tu parles. Tu te laves avec la douche là. Tu prends maintenant ta bouteille. Tu verses sur toi. Tu verses sur toi. Ça t'a dit d'avoir le son. Écoutez, que rien ne vous arrête pour faire vos choses. Arrêtez de dire que oh, je n'ai pas le son. C'est bête, non? Il n'est pas le son. C'est pour ça qu'il me lave. Tu passes le cauchemar parce que tu n'as pas le son? Ah, toi aussi. Prends la bouteille, tu mets dedans. Bon, je vais aller chercher le t-shirt, je vais venir vous montrer. Attendez-moi. Hein. Ne partez pas. Voilà. Broda la main. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. C'est le sac, c'est que... J'ai tout ici, là. J'ai les vierges mariées en ébène. Que vous voyez là. Vierge mariée en ébène. Si vous voulez le t-shirt, fais la capture d'écran, vous demandez. Alors, si tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. Le truc que tu vas demander, après tu vas cotiser l'argent de ça pendant 3 mois. On veut les mêmes modèles. Ça m'avait trop plu. Bon, voilà. Il y a d'autres modèles comme celui que je porte là. Il y a plusieurs tailles.
Je n'avais pas prévu de mettre de faire le commerce ce soir. Mais bon, en tant que businesswoman. Ah ouais, les bâtons de commandement pour enfants sont là. Et pour sac à main. J'avais oublié. Vous voyez. Regardez. Franchement, je vais me comparer ça à quoi? Il y a un bic ici sur la table. Regardez dans ma main. Regardez. Tout petit, donc tu peux mettre dans ton sac. Comme Joël, c'est pour un petit t-shirt que tu viens me parler comme ça. Yeah, la pauvreté. Et sans que tu n'as pas l'argent. Ouais, Seigneur. Tu vas cotiser 5 mois pour le t-shirt. Je comprends que je suis appelé à tout le monde. Tout le monde n'est pas mon client. Mais vous dites-moi, hoha. Pardon, ne fais pas que ma bouche commence à sortir sur l'autre là. Tout le monde n'est pas mon client. Voilà. Le collier, si là, il y en a. On en a. Donc, si vous avez ça, c'est dans les 200 000. Les vrais PLS. Donc, j'ai encore, je crois, trois exemplaires. Donc, sans les courriers, bien sûr, parce que ceux qui mettent les courriers, c'est différent. Le bâton de commandement est très important parce que spirituellement, ça vous donne de l'autorité, ça vous protège, ça donne du courage. Et c'est comme si tu reprenais ton pouvoir de quelque part. C'est même pas que comme si c'est ça. Chaque fois que je donne le bâton à quelqu'un qui connaissait ce que le bâton signifie, je peux dire dans 70% des cas, la personne vient me dire, oh, une dame a rêvé une fois, elle a vu comment. La période où elle a reçu son bâton en France, on est venu attaquer son mari son enfant, pardon, dans le rêve. Elle a pris le bâton, elle l'a tapé, tapé. La personne a jusqu'à couper sa tête avec le bâton. D'autres personnes encore, il y a tellement de choses. J'ai un manteau, on a fait, on a ajusté, on a brodé comme ça sur le manteau. Le manteau là, c'est un manteau Zara là. J'ai personnalisé. C'est trop noir. C'est noir. C'est la chimamélu. Tu dis que je rends les t-shirts en manteau comment? Le prends un coup de traitement comment? On ne charge pas le bâton de commandement. Doris Diane, si tu as payé ta consultation, envoie après ce direct si tu envoies à nouveau. On ne charge pas. Donc, tu n'attends pas pour charger. Quand tu reçois, que c'est pour toi. C'est un peu comme si ça te retrouve. Comme un pouvoir ancien que tu avais, que tu restaures. C'est pour ça que j'ai fait les petits pour que vous puissiez donner à vos enfants. Vos enfants passent autant à imiter les baguettes magiques de la fée qui est là-haut. Moi, quand je touche, on sait sans comment je sens l'énergie sur moi là-dedans. Je sens l'énergie. Je parle moi, je sens. Quand je mets dans la main, c'est sans l'énergie. Je mets dans la main, c'est sans l'énergie. Parce que quand ça vient, je l'ai béni aussi. Bon, le bâton de commandement, tu ne vas pas déposer au soleil pour le charger ou quoi que ce soit. C'est quand on a tout royal. Allez regarder les Louis XIV, les rois, quand ils se filment là. Ils ont la couronne, ils ont la cape, ils ont l'anneau, ils ont le bâton. Ils ont le bâton. Ils ont le bâton. Bâton de commandement. Ta houlette et ton bâton m'assurent. Quand je marche dans les rues de la mort, je crains rien. Tu es avec moi.
Tout le monde doit avoir le bâton de commandement. Arrêtez votre truc quand on vous a dit que c'est pour les... Si tu m'écoutes, c'est que tu es choisi. Il y avait les bâtons de commandement qui vont venir activer ton pouvoir. Ton pouvoir était dormant depuis. Bon. Demain, vous pouvez mettre votre bâton de commandement à côté de vous. Donc, il y en a la moyenne des bâtons de commandement, c'est 15 000. En moyenne des prix. Il y en a des plus longs. Il y en a les cannes. Là, c'est ça, c'est la mienne. Vous voyez les cannes ici. On doit charger le bâton de commandement d'intention. Quand tu reçois le bâton de commandement, ton bâton de commandement, quand on te le donne, généralement, quand je suis fait la construction, que je vois le bâton, je te le donne avec... il y en a parmi vous, vous avez l'esprit de l'eau. Je vous donne le bâton de commandement qui porte le poisson. Il y en a qui ont l'esprit tellement le lion. Donc, c'est en fonction de l'esprit qui est aussi là que je donne le bâton de commandement. Il y en a qui parlent avec toi, seulement que donne-lui seulement que ceci, donne-lui ceci. Parfois, je commande même d'autres bâtons pour vous donner. Parce que ça symbolise ton pouvoir. C'est pas la blague, c'est pas la déco. C'est pas des trucs comme vous voyez dans les clips vidéo, ils portent seulement pour la déco. Tu portes en connaissant. Ça, au Cameroun, c'est 30 000. Moi, je vends à 30 000. Ok, écoutez. Moi, comme je suis touché, j'ai béni mon bâton. Je te vends ça à 30 000. Le long, si. Le petit, en moyenne, je le fais à 15 000. Et quand tu donnes à ton enfant, tu l'as lui. Il vient là comme gars. Si il ne voit pas tes messages, tu m'écris ici, là, je ne connais pas moi. Dans mon téléphone, si vous enregistrez, tu es client, un client, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne connais pas le nom de quelqu'un. Donc, quand tu expliques comme ça à l'ami, j'ai 800 messages non lus sur WhatsApp. 870 messages même. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir satisfaire tout le monde. Bon, les collègues, les messages qui sont disponibles, ceux-là sont des PL, les vrais PL du village. Là. Donc s'il y a les gens qui sont spirituels, vous voulez ça, c'est 200 000. C'est les vrais PL, vous entendez? Voilà. En tout cas, les connaisseurs connaissent. Je vais faire mes choses, je n'ai même pas besoin de vous dire. Les gens qui connaissent de quoi ils parlent, ils connaissent. Voilà. Ça, c'est plus vraiment pour les gens qui sont appelés. Certains vont prendre des questions et beaucoup d'oreilles avec tout ça. Je ne fais pas la conversation avec le bâton. Ce n'est pas obligé. Tu peux acheter ton bâton seul ou pas besoin de moi. Dieu est grand, la reine. La reine, c'était là. Sophie, John, j'ai envie de venir la semaine prochaine. Si les esprits me permettent de venir au Gabon, je vais venir. En euros, ça va faire 25 euros. Hein. Viviane Lokamga, écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Les lavages, c'est mon. Lavage de purification et si tu as une demande de déblocage. Bon, ceux qui veulent s'enregistrer pour le lavage mensuel du début du mois, le 1er mars à 0h, on sera en train de faire le lavage collectif. Habituez-vous chaque mois à entrer dans le mois avec l'action de grâce, avec le lavage. Habituez-vous à cela. Donc, le premier aura lieu le 1er mars de cette année. Prenez l'habitude, s'il vous plaît. Bon, j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la purification avant de dormir. Il y en a qui mettent ça dans en bas de leur oreille avant de dormir. Il y en a qui mettent des pierres précieuses, des pierres, des cristaux d'oreiller. Il y en a qui font quoi? Quelque chose là. Bon.
Karine, ma musique est déjà, j'ai déjà fait finaliser ma musique. Maintenant, je vais finaliser l'album une fois. D'ailleurs, j'ai voulu sortir le 11 février, je me suis dit non. On ne change pas son aura, on se purifie et on enlève les couches. Le sel, quand tu laves avec beaucoup de sel, ça t'aide à purifier les mauvaises énergies. On ne change pas son aura, on purifie son aura. Bon, je sais que c'est le problème de bombarder avec les questions, 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 questions. Marie spirituelle, ok, je ne ferai pas la grâce de Dieu. Quand je maîtrise ce sujet, je n'aime pas enseigner dessus. Oui, c'est quand j'ai le feu vert des ancêtres que je ne peux pas enseigner dessus. C'est que depuis, vous voulez que j'enseigne sur les maris. Si tu as converti ta consultation en Laval, écris-moi sur le 693 50 22 66. Parce que c'est ça que on fait les lavages de demain. Lavage de groupe. Donc si on demain, parce que tu ne fais pas le groupe de demain, tu feras dans le groupe de jeudi. Bon, on va faire en dessous. Bonne soirée. Bonne soirée YouTube. Bonne soirée Facebook. Partagez ma vidéo, ok? Bonne nuit. Le numéro est en bas de ce direct. J'ai mis là-bas, j'ai mis tous les numéros en haut du direct. Ok?